Tu t'es rendu compte que tu avais un chien qui était imprévisible, oui, et très dangereux. Oui. Plus que j'aurais cru. Énormément. Plus. Et ça fait peur même. Tu la voyais pas comme ça? Non, pas du tout. Non, non, non. Mais bon. Ok. Mise en place du retrait de la muselière. Donc ça va le faire. Hein. Voilà, on a un chien qui est devenu à peu près normal. Je vais effectuer juste quelques commandements avant l'introduction. Voilà, tout simplement. Vous restez là. Tu es la maîtresse, bien évidemment. Moi, je suis qu'un simple invité, on va dire, qui va m'amuser avec ce chien. Comme tu as pu voir, cette chaîne n'était pas concentrée. Pourquoi? Parce que, elle porte une muselière qu'elle ne l'a jamais portée. Donc pas du tout à l'aise, et on lui en demande quand même beaucoup, d'accord? Donc on va essayer de la détendre. Chip, tu viens au pied? Là? Oui, ok, là, oh, là, ça c'est bien, gentil, oui mon bébé, oui, ça c'est bien. Grand-maman, la méthode gagne. Alors, vous sentez prêt? Par rapport à hier. Oui. Oui. Ça nous a pris combien de temps à peu près? Une bonne heure? Oui, une bonne heure. Oui, je t'enlève la muselière. Oh oui, je t'enlève la muselière, mon bébé. Oui. Ah, je t'enlève la muselière. Oui, gentil. C'est bien. C'est bien, gentil. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Bravo, oui. C'est bien. On a un chien tout à fait normal. Allez, file. Tu vas chercher? Allez, va chercher. All right. Excellent. Excellent. Papa, il est content. Papa, il est content. Papa, il est content. Tac! Tac! Oh! Stop!
couché. Oh, oh là là. Oh là là. Papa, il est content. Bravo. J'ai dit quoi? Couché. Couché. Ok. Voilà. Ça, c'est couché. Bravo. Oui, papa. Papa, il est content. Papa, il est content. Pas bouger. Pas bouger. Oui, tac, oui, tac, tire, stop. Là, tu avais un chien coup double. Hein. On avait l'agressivité vis-à-vis de moi, hein, un étranger, hein, et aussi avec d'autres animaux. Donc, on a monté, t'as vu, crescendo intelligemment. Le comportement, et par rapport à tout ce que je te dis de faire hier à aujourd'hui, a permis justement de canaliser l'animal, parce que le moindre mouvement que je faisais, le chien m'attaquait. Tu l'as vu de toi-même, oui. C'était violent. Il y a encore une heure, j'étais au niveau du poteau. J'ai mis en application tout ce qu'il fallait faire. Voilà, le chien ne me calcule pas. Donc évidemment, il y a des solutions pour régler des problèmes. On a le collier étrangleur qui ne sert absolument à rien du tout, hormis faire marcher le chien ou contraindre l'animal. Je veux dire, ça ne fonctionne pas et hormis ça, tu le fais souffrir. Sincèrement, la souffrance en silence, il n'y a rien de tel. Donc voilà, donc sans vraiment tout en douceur, je me suis évidemment adapté à votre personnalité et aussi à l'animal. Il lui fallait obligatoirement une muselière, donc il y a eu le temps d'aller le chercher, on n'était pas loin, donc évidemment une laisse courte qui permet évidemment de maîtriser l'animal. Donc en tout cas, moi j'en suis vraiment fier et j'ai travaillé avec mon cœur et c'est vraiment un plaisir et vous voir sourire et vous réconforter et toi qui vas avoir bientôt un enfant, voilà, ça vous a permis déjà de mieux cerner votre animal. C'est quand j'ai su que j'allais avoir un enfant et vu l'agressivité qu'elle avait envers les autres, je ne pouvais plus la contrôler en fait. J'avais peur de son agressivité et peur qu'elle morde quelqu'un et que je perde ma chienne, c'est ça que je voulais. Et là tu t'es dit quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit alors du coup? Bah, quand la première vidéo que j'ai vue, je ne sais plus comment je l'avais fait, c'était avec le langage des signes. Le langage des signes, ouais. Et quand j'ai vu tout de suite tout le travail que tu pouvais obtenir avec ton chien, on voit tout de suite que c'était quelqu'un qui sait de quoi il parle en fait, tout simplement. Et je peux déjà une très grande connaissance sur l'animal. Si tu connais pas les fonds du chien, tu peux pas faire ce travail-là, c'est pas possible. Si tu n'arrives pas à lire dans un chien, c'est pas possible de faire ça. Et c'est vrai, et je le pense sincèrement. Alors, ce que je disais hier, c'est que votre chien jouait le double jeu. Le premier jour, tu as vu à un moment donné, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que ton chien, je lui donnais des commandements, assis, couché, il l'exécutait. Je passais la main par-dessus, ça se passait bien, et là tu te faisais surprendre. Le chien te dit quoi? Bon, ok, je vais faire ce qu'il demande, mais d'un côté, c'est qui ce gars quoi? De pas aller à la charge. Je pourrais très bien aller à la charge, il y a une muselière. C'est facile, facile pour moi. Et là, qu'est-ce qui va se passer si je produis ce genre de choses? Je vais surexciter l'animal. Il va être encore beaucoup plus agressif. Au millimètre, quand je dis au millimètre, c'est pour viser juste. Si tu ne vises pas juste, t'as tout faux. Juste au milieu. Mais moi, j'ai très bien apprécié que t'es venu en jogging en plus. Oh, jogging pour la méthode GAM. Hein? C'est génial. C'est génial. Bon, c'est bien, on a bien travaillé. C'est bon. Oui, t'es content. Oui, t'es content. Oui, t'es content. Oui, t'es content. Oui, t'es bien. Oui, t'es bien. Oui, t'es content. Oui, oui, c'est bien. Oui. Voilà, on conclut cette vidéo. Merci d'avoir suivi la méthode Gun et je vous dis à très bientôt. Tu check, check, check. Oui, allez, va chercher. Excellent, excellent. Bravo. Oui, mon bébé. Wow, magnifique. Je suis super content. Magnifique, magnifique. C'est génial, génial.